Salut les voyeurs. Alors, t'as passé une bonne nuit? Excellente, j'ai dormi comme un bébé. Elle allait me poser la question, elle s'est fait avoir. T'es trop fort. Non, mais si, c'est vrai, franchement, on a bien dormi, ouais. Donc aujourd'hui, encore un soleil radieux. Ouais, non, il fait beau. Ouais, un peu frais ce matin quand même, hein, vers 8h, il faisait pas si chaud que ça. Je sais pas, j'étais au fond du lit, moi. Ouais, bien sûr. Donc, on fait quoi aujourd'hui, Wiki? On va aller visiter le temple des singes, ouais. Il a un nom particulier, mais pour moi imprononçable. Donc c'est pas la peine donc, de se prendre la tête avec singes, les noms mal, népalais. Ouais. C'est bien le temple des singes. Donc, de toute façon, tout le monde l'appelle comme ça. Donc on va commencer par se taper 3 bornes à pied, hein, bien sûr. Ouais. Jusqu'au temple. Bah, il est situé un peu plus loin, ouais. Bah ouais. À l'ouest. Ouais, bravo, je savais que tu rajoutes. D'abord, on va peut-être commencer par se faire un petit tia. Si tu veux. Parce qu'on n'a rien avalé. Moi, je peux pas marcher comme ça sans rien avaler, hein, tu me connais. Si, t'as bu un peu d'eau. Ouais, super. C'est bien, non, un peu d'eau, ouais. Merde, quand même. Donc sinon, on a remis les lunettes rouges parce que Marc nous a fait la remarque comme quoi on avait des lunettes bleues, machin. Donc on a pris rouge. Ouais, enfin hein? Ça, on les avait déjà hier. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est comme les momos. Hein. Pouah, en fait, au bout de 24 heures, elle sait plus ce qu'elle a fait. C'est un truc de fou. Hein. Enfin, bon, on va le prendre, ce thé. Allez, on y va, oh là là. Enfin, j'ai mon petit tia au lait dans un petit troquet plein à craquer. C'est l'heure du repas. Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être 11h et des brouettes ici. Donc, bah nous, on est OK. Qu'est-ce que t'as à faire des grimaces derrière nous? Alors, il y a quoi de bon à manger? C'est d'Albat. Super. Et là, notre thé. Ah, le dal, OK. Des thés. Des sabjis. Oh, je pense qu'on va venir manger un jour ici. Il y a de fortes chances. Le thé, c'est fait. Il était d'ailleurs délicieux. Ah, bah tiens, il y a quelqu'un d'autre. Je pensais que j'étais seul pendant un moment. Bah, et puis en plus, fais la gueule. C'est bon ça, non? Et puis ensuite, la patronne nous a montré un peu ce qu'elle préfère à manger, donc c'est un dalbat, donc on verra ça un peu plus tard. Mais du coup, ben, je pense qu'on va aller y manger, non? Exact. Donc pour l'instant, on se dirige en direction du temple aux singes, comme c'était prévu. Donc c'est parti pour 3 km à se faufiler dans les rues de Katmandou. J'espère que tu t'es pas trompé de direction, Wiki. Non, apparemment c'est la bonne. Par contre, t'as vu le franchissement du pont? L'eau en bas? Terrible. Polluée de chez polluée. Hein. En plus, là, vous avez la chance, vous n'avez pas les odeurs. On prend un raccourci, comme d'habitude, on sait pas où ça va mener. Oh, c'est beau! Wiki? Wiki, ce serait pas un dodan, là? Ouais, si tu veux, en construction alors. C'est quoi là-haut? Tu fous ma gueule? C'est le temple. Fais voir avec ton doigt. Je suis bon là? Non, à droite. Ouais, un peu plus haut. Bravo, Wiki. Et ça y est, on y est. Au pied du temple. Ouais, 65 marches d'escalier est, l'escalier des pèlerins, et il est dit comme ça. Enfin, je l'ai lu comme ça surtout, hein. Vous pensez bien que... T'as rien inventé quoi. Ah, j'invente jamais rien. Et sinon, pour donner le vrai nom, hein, c'est Soyam Bunat, si je me trompe pas. C'est plutôt intéressant. C'est intéressant plutôt que de dire temple aux singes. Mais ça s'appelle comme ça pour les touristes. Non, c'est Soyam Bunat. D'accord. Voilà. C'est comme et ça. Et c'est l'un des lieux les plus... Les plus anciens et les plus saints du bouddhisme ici à Katmandou. Très bien, Wiki. Et il daterait même du 5e siècle. Ça, les historiens n'en sont pas sûrs. Ça fait longtemps. Ouais. Il est blindé de singes. Grave. On en parlera plus tard de ces singes. On va vous les montrer. Les macaques Rhésus. Ben, je vais vous les montrer. Écoutez bien ce nom. Ils sont là. Mais bon, on va vous faire des petits plans, hein, parce que forcément. Ouais, parce que de toute façon, il y a 365 marches, donc on va faire des pauses, il y aura le temps de faire des plans. On grimpe ou quoi? Ouais, allez, go.
Alors Wiki, ça grimpe? Ouais, mais on y va tranquille. Bah oui. Par contre, il y a un truc quand même que je voudrais soulever. Ça fait plus de 10 ans qu'elle me saoule avec les monkeys. Il n'y a pas de monkeys, on va au Vietnam, il n'y a pas de monkeys, on va en Thaïlande. Là, il y a des monkeys partout. Pas un mot, elle a lâché. Rien. Elle est là, comme ça. Oh, c'est incroyable. Aussi, c'est trop beau, il y a des monkeys partout, des gros, des petits, des papas, des mamans, de tout. Il est temps de s'acquitter du billet d'entrée. Oui. Je suis pas certain, mais je pense que c'est 200 roupies par personne, ouais. Voilà. Allez, go. Pas d'erreur, Wiki a dit juste, pour une fois, 200 roupies l'entrée pour une personne, donc un peu moins de 2 euros, un peu plus d'un euro. Hein, puisque 1 roupie, non, 135 roupies égale 100... 1 euro. Elle s'éclate bien, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, franchement, ça vaut le coup. Allez, on recommence. Ouais, vas-y. Alors, vas-y. Donc, 200 roupies, soit un peu moins de 2 euros, car 1 euro égale 135 roupies. Ouais, c'est très très bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, Wiki! Non, mais c'est fini, ce temps-là, je cours plus. Hein. J'ai 54 balais, maintenant. Regarde, me casse la gueule en plus. Et voilà, quand on est une star. Ah oui. Yes. Wiki, un commentaire? Pas vraiment, mais si tu veux, je peux toujours en faire un. Donc après avoir gravi tout à l'heure par l'escalier S, on va redescendre par l'ouest. Beaucoup moins pentu, beaucoup mieux pour nos vieilles jambes. Parle pour toi. Dit-elle, mollet en bois. We stay 3 months. Et donc, ces petits singes, ce sont des rhésus, des macaques rhésus. Et grâce à eux, nous avons pu définir notre rhésus de notre groupe sanguin. C'est ça, Wiki? Petite lance comme ça, ouais, c'est à peu près ça, c'est bien. C'est vrai, on s'est servi de ces singes pour faire des recherches sur le sang fin des années 30. Voilà. Mais il n'y a pas servi qu'à ça, le macaque rhésus. On l'a envoyé aussi dans l'espace. Enfin, on s'en sert pas mal comme animal dans les laboratoires. Ah, pour faire des tests. C'est pas trop cool, non. Ceux-là, on fait pas de tests dessus. Non, ceux-là, non. Ceux-là, on leur donne des bouteilles en plastique à mâcher. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Oh là là. Et voilà, fallait s'y attendre. Ouais.
Attention au monkey. Oui. Alors, combien cette petite glace? 30 centimes. Elle est bonne? Ouais, elle est bonne, bah à la fraise quoi. Oui, j'ai fais attention parce que là, tu essaies de me la piquer là par terre. Il est là. Oh, c'est bon, on rigole, on rigole. Même les gens, ils rigolent. C'est pas gentil, se moque de moi. Alors? Elle est très très bonne. Bah, c'est exactement ce que je disais quoi. Exactement, mais je confirme. Si t'es pas trop méchante, à la fin, le petit bout de cornet, tu pourras peut-être te donner au petit singe. Alors si trop, t'es pas trop méchante, c'est peut-être en trop, et le donner au petit singe, sûrement pas. Il va nous griffer. N'importe quoi. J'ai donné un biscuit tout à l'heure, il m'a pas griffé. Mais écoute, grand bien te fasse. T'es nul. Tu vois pas que je me repose? On vient de faire 8 km. Allez, vas-y. Hein. Eh oui, c'est l'heure du tia. C'est vrai que c'est chaud. C'est très très chaud. C'est bon, ok? C'est super bon. Rien à dire. Comment ça s'appelle? J'en sais rien, un beignet. Donc, Wiki? T'as posé la question, il t'a bien claqué, il appelle ça un donut. Génial. Excellent. Bientôt je sais ce qu'il va dire, Bon, là on est sur le retour, il est temps de rentrer à l'hôtel pour ouais, se laver les mains. Et il est déjà 16h. Parce qu'après on va manger un dalbat avec les mains. Eh oui, il est déjà 16h, on n'a pas encore mangé. On va faire abstraction des deux donuts, hein. Ça c'est pas de la nourriture, hein. Ça c'est un encas. Ouais, c'est l'apéro, ouais. Donc, direction la chambre. Allez, viens. Je t'emmène manger un dalbat, je connais un petit coin sympa, tu vois. C'est moi tu qui connais fais un petit coin, c'est une blague. C'est là. On va manger un bon dalbat. Allô. Bon, je pense qu'elle est déçue, mais elle va mieux vous en parler que moi. Super, le plan pourri. Il me dit oui, tu vas voir là-bas, enfin au Népal, il mange tous les jours. Tous les jours à 5h30, viens on va manger. On arrive la bouche en cœur, moi, j'ai faim comme ça. Elle me dit, ah, faut revenir à 7h. T'es content? C'est pas grave, on va aller bosser un petit peu, tranquille. On va commencer à travailler pour vous. Okay.
Vas-y, maman. Je te tombe con, mais je t'ai dit là. Dis ça, mon Donc le dalbat, apparemment, ça se mange à la main, droite de préférence. Pourquoi, je ne sais pas. Donc. Pourquoi dalbat? Parce que dal bat. Mais parce que dal, maman, dal c'est la soupe de lentilles, bat c'est le riz. Très et ensuite bien. Il y a quelques des assortiments. Là il y a de la viande, c'est un curry. Un curry. Voilà. Chippy. Chutney. C'est pas cool, hein. C'est pas cool. Madame, culinaire, elle a pas appris sa leçon. Ah, Népali, Népali. Good. Talking Népali. Dal, bas, sabji, masu. Attends. Dal. Dal. Masu. Masu. Bat. Bat. Sabji. Sabji. Achar. Achar. Non. Achar. J'espère que tu as tout compris. Ouais, dans 5 minutes j'ai oublié. Donc Wiki, est-ce que c'est bon? Oui, moi tout ce que je retiens c'est que t'as pas appris ta leçon. T'as dit moi je fais le culinaire, t'as pas fait le culinaire. Tu savais pas ce que voulait dire dal, bat. Donc vas-y gros malin, répète. Non mais répète maintenant. Le dal c'est la soupe de lentilles. Le dal. Voilà, c'est ça. Très bien. Bat c'est le riz. Oui. Ensuite des assortiments, souvent des currys. Généralement c'est végétarien. Parce oui. que ben, la viande, c'est pas donné. Mais là, on a de la chance, c'est de la viande. Très bien. Et ensuite, il y a ce petit truc que moi, j'ai pas touché, parce que ça arrache grave. Mais alors, ça brûle la bouche. Voilà, maintenant, je peux manger tranquille ou... Oui, tu peux manger tranquille. Ah, merci. Bon appétit. Merci. Tu peux parler. Une fois n'est pas coutume, enfin si, deux fois est coutume. Ouah, ça y est, on fait la fin dans la chambre. Bah, il t'a vu comment il fait noir à 18h. Ouais, donc on sort après 18h, il n'y a pas le choix, la fin c'est dans la chambre. Donc oui, mais avant le repas, je ne sais pas si ça va être super au niveau luminosité. Eh ouais, mais là on n'a pas le choix, on a fait comme on a pu, on pensait manger à 17h et pour finir c'était 19h. 19h il fait noir. Exactement. Donc on fait avec ce qu'il y a. Ouais, notre premier dalbat. Ouais, c'était pas mal. C'était bon, c'était super épicé. Ouais, ça piquait bien. Et encore, on n'a pas utilisé la sauce piquante, hein, l'espèce de petit... Ah oui, il y avait un chutney, elle nous ouais, a ouais, dit... Ouais, non, mais j'ai pas touché. J'ai goûté ça... Ouais, ça déjà, dégote, ouais. Déjà le curry, là, ouais. De viande, pas mal, quoi. C'était pas mal fort. Mais c'était sympa. Oui, et à la fin, ce petit... ça s'appelle soupe. Ouais. En fait, c'est des graines... Des graines d'anis. Des graines d'anis avec... ça ressemble à des petits carrés de sucre candy. Ouais, blanc. C'est vrai. Ce qui permet de... D'atténuer un peu le piquant, là. Parce je t'aide si t'arrives pas à trouver... Non, mais disons qu'à la fin, normalement, pour atténuer le piquant, il aurait fallu un lassis. Parce que comme elle l'a précisé la dernière fois, ça se prend au milieu du repas. Non, ça se prend à la fin. Oui, mais ils nous en proposaient pas. On pouvait pas le... Ouais, exactement. Voilà. Donc, le dalbat, pas très cher. Ah non, là, on en a eu pour 300 roupies pour nous deux. Donc, franchement... Donc, 150 le dalbat. Bien, t'as vu? C'est pas mal tout t'as ça. T'as vu comme j'ai fait des progrès? Ouais, grave. Non, franchement, donc, c'est bien. 150, ça fait. Ouais, 250 pour nous deux. Ouais. Maxi, grand maxi, j'ai envie. Et c'était copieux, elle a voulu nous resservir, je dis. Ouais, parce qu'il faut savoir que le dalbat, c'est aussi le principe du jeu. Ouais. C'est qu'on peut en avoir à volonté. Tant qu'on veut être servi, on est servi. Mais à un moment, on peut mais plus. Au départ, déjà, au départ, la montagne de riz, c'est. Ouais, c'est je pense bien que costaud, malgré tout, je pense qu'ils ont pu le voir quand même. Hein. Tu crois qu'ils ont vu? Ouais, mais oui, quand même. Je préfère le dire au cas où. Non, mais ils peuvent jouer aussi. Ils comme ont c'est les, toi qui as filmé. Ont des, ils ont des écrans, ils font, je sais pas, ils jouent sur la luminosité, le bon, contraste. Allez, c'est bon. Et les monkeys, c'était bien, il y en avait plein. Ouais, super. Non, c'était rigolo. C'était il y a sympa. Juste un, moi bon, j'ai mis dans la story, il m'a mis une gifle quand ouais, je me suis vrai, approché vrai, pour vrai, le filmer. Ouais. Bon, du coup, j'ai arrêté après. Bah, peut-être qu'il avait pas envie d'être filmé. Hein. Non, c'est peut-être. Comment tu croyais qu'il allait te le dire? Non, je ne désire pas être filmé. Ben, bref, on s'en moque. Donc ouais, c'était super chouette. Encore une bon, on a passé journée. Une bonne journée. Ouais, ouais, comme d'hab. On espère que ça vous a plu également. Exactement. Donc n'hésitez sinon, pas. Sinon, il faut attendre la prochaine. Laisse-moi faire la pub. Ah. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à nous kiffer, nous mettre des cœurs, des bisous, des trucs. Ça, c'est plus faire de la pub, ça. C'est l'aumône. Je fais pas l'aumône. Si on aime, on like. C'est ah, pas... d'accord. Le fameux, comme beaucoup disent, le fameux gros pouce bleu. Mais gros pouce bleu, c'est sur Facebook, il n'y a pas de gros pouce bleu sur YouTube. Bon, allez, c'est bon. Ça me fait rire. Donc, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit bonne nuit, les petits. Ah,
Mais j'ai le droit de parler un petit peu quand même. Mais tu saoules les gens là. Eh, je m'en fous. C'est pas intéressant. Change de chaîne. Tu te répètes à chaque fois. Ils zappent.